Salut, dans cette vidéo, on va parler de l'harmonisation. Donc, je vais vous montrer d'abord la petite partie théorique et je vous montre tout de suite après les accords à la guitare. L'harmonisation, ça va consister à additionner les tierces sur chaque degré de la gamme pour en constituer les accords, pour donc avoir tous les accords de la même tonalité. Donc, pour prendre l'exemple, on va prendre la gamme de Do. Donc, il est important de connaître les intervalles entre chaque accord. Donc, savoir qu'entre Do et Ré, on a un ton. Ré mi un ton, mi fa un demi-ton, encore un ton fa et sol, un ton, et entre si et do, on aura un demi-ton. Il est important de connaître ça pour pouvoir dissocier là où on a des tierces majeures et des tierces mineures. Donc, tierce majeure, c'est deux tons, et une tierce mineure, c'est 1,5 ton. À partir de ça, on va pouvoir déceler si nos accords sont majeurs ou mineurs. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça dans ce cours, puisque là, on va vraiment appliquer l'harmonisation et on va apprendre à la jouer. Si vous voulez plus de détails sur toute cette partie théorique d'intervalle, de construction d'accords, j'ai fait un cours sur la théorie avec toutes les bases théoriques que vous devez avoir à la guitare. Vous faites cliquer sur le petit i et puis vous aurez accès à toutes ces informations. Nous, on reprend tout de suite l'harmonisation. Donc pour harmoniser, on va empiler nos tierces. Donc pour le premier accord, on va avoir cette première tierce entre Do et Mi et une deuxième tierce entre Mi et Sol. On peut aller plus loin si on veut pour avoir la septième entre Sol et Si. Pour ce cours, on va se contenter de prendre, hop, on va pas aller jusqu'à la septième, on va prendre juste l'accord majeur et mineur, les accords majeur et mineur pour faire au plus simple. Donc du coup, notre premier accord de Do, il sera majeur. Et après, on va faire le même travail pour tous les autres. Moi, je vous le donne, mais vous pouvez vous entraîner à retrouver pour chaque accord. C'est un bon exercice, on va dire théorique. Vous vous entraînez à retrouver après chaque accord. Donc Ré, il sera mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur. Si on aura, il sera mineur avec une quinte bémol. Voilà. Et après, Do, on l'a déjà vu, c'est comme le premier, il est majeur. Une fois qu'on a cette harmonisation, eh bien, vous pourrez la transposer à n'importe quelle gamme en faisant attention à bien placer les altérations pour respecter en fait cette échelle de ton et de demi-ton. On va prendre la guitare pour écouter un petit peu tout ça. Donc, je vais jouer les accords dans l'ordre. Donc, on a Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si mineur avec cette quinte bémol, et on revient à notre Do majeur. Donc tous ces accords, vous voyez, ils sonnent très bien ensemble puisqu'on est dans la même tonalité. C'est pour ça qu'ils vont bien ensemble. Donc si vous composez, vous pourrez mélanger tous ces accords de cette même tonalité. Ensuite, on peut prendre le cas inverse. Si par exemple vous voulez improviser, vous cherchez la tonalité d'un morceau, eh bien il faudra retrouver en fait les accords des morceaux que vous écoutez ou sur lesquels vous voudrez improviser, ils appartiennent à une même tonalité. Donc il faudra essayer de retrouver en fait ce schéma pour savoir dans quelle tonalité se trouve le morceau et avec ça, eh bien vous pourrez retrouver la gamme pour improviser. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué assez rapidement donc, ce concept d'harmonisation. Ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que on se contente d'empiler des tierces. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre dans ce cours. Et donc là, on s'est arrêté donc à la deuxième tierce. Donc en fait, du coup, on a la quinte. Mais on peut aller plus loin et on peut empiler comme ça plusieurs fois pour avoir des enrichissements d'accords. Dans un premier temps, contentez-vous de ça, de bien comprendre. Essayez de l'appliquer donc sur tous les autres accords, voir si vous retrouvez la même chose que moi. Et après, vous pouvez essayer de transposer ça à d'autres gammes. Voilà, en n'oubliant pas donc du coup d'ajouter vos altérations aux notes pour toujours avoir cette échelle de ton et de demi-ton. Si cette vidéo vous a plu, ben je compte sur vous pour mettre un pouce bleu et laisser des commentaires. Ça soutient ma chaîne, ça donne plus de visibilité et ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!